sur ce jour. But it's a very special day. C'était un jour très spécial. It's a special day where we're going to celebrate, we're going to praise the Lord. Nous allons louer le Seigneur. We're going to worship God because of the great things that he has done. Nous allons adorer Dieu pour les grandes choses qu'il a fait. For a long time he gave us a great servant to serve among us. Pendant longtemps il nous a donné un grand serviteur pour servir au milieu de nous. And some circumstances of life has made it such a way that he will have to travel and go to another place. Certaines circonstances ont permis qu'il doit voyager pour aller ailleurs. So we are not here today to celebrate Pastor Clement. Ici pour we are not here to celebrate Pastor Clement. We are here to celebrate Christ. Nous sommes ici pour célébrer Christ. We are here to celebrate Jesus Christ. Nous sommes ici pour célébrer Jésus Christ. He is the one who sent his service to us. C'est celui qui a envoyé son service. To serve among us. Dans cette maison pour servir. To do all the great things and to spend all the great moments. Et les très bons moments que nous avons passés ensemble. At this moment, I'll ask for a technician if he can maybe start. He can go ahead and start projecting like the pictures, like the slide. Commencer à projeter les photos. At the same moment, I saw Pastor Clement. Can anybody get Pastor Clement for me, please? Pastor Clement, we can just take a look at some of the pictures. A very special man of God. In our days, we don't have too many like him. We thank God for everything that he has done through him among us. La communauté togolaise, la communauté congolaise, Dr. Steve est ici, mon frère Dwayne est ici, ma belle-sœur est ici, ma sœur Rebecca est ici, my brother-in-law Ernest is here. Mon beau frère Ernest est ici. Glory to the name of God. Your glory au nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je vois les épisodes de photos qui viennent. Amen. Amen. But we are not going to take too long. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. And I promise I'm going to talk 10 minutes. Je promets que je vais parler seulement pour 10 minutes. On va interpréter seulement pendant 10 minutes. And we are going to sing for 5 minutes. Nous allons chanter pendant 5 minutes. Hallelujah. Amen. Fire burning in my soul. Holy Ghost is fire. Pentecost is fire. Fire burning in my soul.
Fire, 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 fire burning in my. Peter, get on the drone and give me something. The man. Hallelujah. Fire burning in my soul. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And we are going to the book of Ephesians, chapter 5, verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Lord, we just want to thank you for this great day. Père, nous voulons te remercier pour ce bon jour. The day that we are waiting for, even though we did not plan this day, may you have decided to come. Mais tu as décidé que ce jour. We just want to honor your name and praise you. Nous voulons honorer ton nom. As we are going to preach your word, comme nous allons prêcher ta parole. I'm going to ask you, Lord, je vais te demander, Seigneur, to touch every heart, de toucher tout cœur, to touch every mind, de toucher toute pensée, to touch every spirit, de toucher tout esprit, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I want this word, Seigneur, je veux que cette parole to change somebody's life change la vie de quelqu'un today, not through my power, pas par ma puissance, but through your spirit, par ton esprit, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I rebuke every devour, je chasse tout devour, every satanic power, tout esprit satanique, every witchcraft power, tout esprit sorcier, every spirit who does not confess. Your name. I remove that in the name of Jesus. Holy Spirit, move in this place. Take over this place. Have your way in this place. In the name of Jesus. And I cover this assembly with the power of the blood of Jesus. For God be the glory and for the great things done. In Jesus' name. Amen. Amen. 14 years ago, il a 14 ans, my sister Rebecca and Ernest, ma soeur Rebecca et Ernest, bought me airline ticket to come to America. I have to thank God for that. Je dois remercier l'Éternel pour ça. Praise God. Amen. Not my power, but God used them. Pas par ma puissance, mais c'est Dieu qui les a utilisés. God used them. Dieu les a utilisés. To bring me to this country. Pour m'amener dans ce pays.
Because God has a plan. Parce que Dieu a un plan. And the plan of God is different from our plan. Et le plan de Dieu est différent de notre plan. That's why today. C'est pour cela aujourd'hui. I have titled for my message. Le titre de mon message. What are you thanking for God? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? What are you thanking for God? Pourquoi tu es en train de remercier what Dieu? What are you thanking for God for? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? We all came to different locations. Nous sommes venus de différents endroits. Some of us here, we come from a difficult family. Nous, il y a de ceux-là qui viennent de familles difficiles. Some of us here, we have been through a lot of things. Il y a ceux-là parmi nous qui ont traversé beaucoup de bonnes choses. But what are you thanking for God in your life? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu dans ta vie? What are you thanking every single day? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu chaque jour? This morning, lorsque tu t'es réveillé ce matin, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas se réveiller. Mais lorsque tu es sorti de ton lit, hey technician, if you are ready, if you can project the first picture. And we just jump out of the bed. Nous sommes sortis du lit. Because we have strength to walk. Parce que nous avons la force de marcher. But are you just take 1 minute? Est-ce que tu peux prendre seulement say, une minute? God, thank you to give me again this life. Dire Dieu, merci pour m'avoir donné cette vie. We get on in our cars. Nous entrons dans le véhicule. That's not your power to drive on the road. Ce n'est pas de ta propre puissance de conduire sur la route. We have opportunity to drive. Nous avons l'opportunité de conduire. And we get to have good breakfast. Et nous avons un bon déjeuner. At a time, some people somewhere in the world. À ce même temps, il y a quelques personnes quelque part dans le monde. One bread to eat. N'a même pas eu un morceau de pain pour manger. Are you just take a time to thank God for what is going on in your life? Est-ce que tu as seulement pris un temps pour dire merci à cause de ce qu'il est en train de faire dans ta vie? We just get on our shower this morning. Nous sortons de notre toilette ce matin. Some of us here we like to take 3 times shower a day. Ah, il y a ceux-là qui aiment se laver 3 fois par jour. And some people in other countries doesn't even have water. Il y a des gens dans quelques pays du monde qui n'ont même pas l'eau. They're suffering for water. Ils sont en train de souffrir. Some people can walk like 20 kilometers to have a water. Il y a ceux-là qui doivent faire 20 km pour trouver leur source de l'eau. Avant de revenir avec l'eau à la maison. Il y a certaines personnes ici qui ont grandi au village. You know how the struggle is in the village. Ils savent comment les choses sont difficiles au village. From the city. Même si tu viens de la ville. You know how every time you are getting to the trouble every day. Et tu connais comment est-ce qu'il y a des troubles tous les jours. And you can have a water to drink. Tu peux avoir l'eau à boire. Without thinking for God first. Sans penser à Dieu d'abord. We thought we have a strength, we have a power to do everything. Nous disons que nous avons la puissance, nous avons le pouvoir de but faire toutes choses. But we did not. Mais on n'en avait pas. Because through God. Parce qu'à travers Dieu. We could not do anything. Bah sans Dieu, on pouvait rien faire. So are you thanking God every single day? What are you thanking God for? Est-ce que tu es en train de remercier Dieu tous les jours? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? You see the lady in the middle. Vous voyez la dame au milieu. That's my adopted parent in Texas. Ça c'est ma parent adoptif à Texas. We talking yesterday on the phone. On était en train de parler hier au téléphone. And she told me that when she get married first time in Togo. Lorsqu'elle s'est mariée la première fois au Togo. She married to a diplomat. Elle s'est mariée à un diplomate. And she was in 21 years when she married a diplomat. Elle avait 21 ans lorsqu'elle a rencontré ce diplomate. They have been ambassador for China for 10 years. Ils ont été ambassadeurs en Chine pendant 10 ans. After that. Après cela. Her husband was delegate to Germany for another 10 years. Son mari était envoyé en Allemagne pendant 10 ans. That is the Yadema regime. Amen. Ça c'est sous le régime de ADM. I don't think you can be in Obama regime for ambassador for 10 years. Ah, je ne pense pas que tu peux être sous le régime d'un président américain pendant 10 ans. And then after 10 years in Germany, they went back to Ghana. Après 10 ans en Allemagne, ils sont allés à Ghana. So they went back to Ghana for another 10 years. Ils sont partis à Ghana pendant 10 ans. So they went back to Ghana for 10 years. Ils sont repartis à Ghana pendant 10 ans. And God has decided to choose her husband. Dieu s'était décidé de prendre son époux. And the family, she from northern Togo. Elle vient du côté nord de Togo. In the border of the Burkina Faso. Lorsqu'il est à la frontière avec Burkina and Faso. When her husband passed away. Lorsque son mari est mort. The family took a big truck from Dapango. And they came to Togo and they came to Lome.
Ils sont venus à Lomé. On a pris tout ce qu'elle avait dans ses mains. They say you marry our son. Et la famille a dit que tu avais épousé notre fils. Et tu, vous avez été partout dans le monde. Maintenant notre fils est mort. Mais tout ce que le fils avait nous appartient à nous. Ils ont pris tout ce qu'elle avait. Elle a trois filles. And she doesn't know what to do. Elle ne savait quoi faire. And she have another connection with the another ambassador's wife, in Angolan ambassador's wife. Elle avait une connexion avec la femme de l'ambassadeur angolais. And she said, "You need to come to America so that you can find a good job, and from that point you can bring all your children here in America." La femme de l'ambassadeur a dit que tu peux venir aux États-Unis chercher un bon boulot, comme ça tu peux faire venir tes enfants aussi aux États-Unis. And she came to America. Et elle est venue aux États-Unis. And she doesn't know God have another plan. Elle ne savait pas que Dieu avait un autre plan. She came here. Lorsqu'elle est arrivée ici, and God make a way. Dieu avait fait de la sorte qu'elle puisse amener toutes ses trois filles ici. And God has used her miraculous way. Dieu l'a utilisé de la manière miraculeuse. Until all the one of the first daughter. Jusqu'à ce que la première fille. Went to the high university in America. Est allée dans l'une des plus grandes universités aux États-Unis. And have a job in a warehouse. Elle avait le travail dans la Maison Blanche. Have a job in the World Bank. Ah, elle avait un travail pour la Banque mondiale. And God brought into her life after just 5 years that man was there. Après 5 ans, Dieu a amené cet homme que vous voyez dans sa vie. And then when we are talking on the phone yesterday, et lorsqu'on était en train de parler au téléphone hier, she said, "My son," elle a dit, "mon fils," "I don't have a word to say." Je n'ai pas de mots à dire. What God is doing in my life today, c'est que Dieu est en train de faire dans ma vie aujourd'hui. Back, like 20 years ago, si je regarde de cela 20, 30 ans, I could never imagine that God is going to do something greater than this. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait faire quelque chose assez grand que celle-ci. She started crying, saying, "I need to thank God for every single thing." Elle a dit que je dois remercier Dieu pour toutes choses. That God is doing a great thing in her life. Que Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie. She couldn't even imagine that God gonna bring another man into her life who's going to love her more than the first husband. Elle ne pensait pas que Dieu allait amener un autre homme dans sa vie qui allait l'aimer plus que le premier. And she said, "I need to thank God for what He's done in my life." Elle a dit, je dois remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. And then the first time that they came to talk with us in 1997. Lorsqu'ils sont venus au Togo pour la toute première fois en 1997. And the men, when they just get married in 1997, they came back to Togo. Ils s'étaient mariés en 1997, ils sont venus au Togo. And then he told me that I would be praying for God to make a way. Ah, il m'a dit qu'il était en train de prier afin que Dieu fasse de la sorte. Because I feel that you are my son. Parce que je sens comme si tu es mon fils. Because your mama told me what happened when the girl father died. Parce que ta mère m'a dit ce qui était arrivé lorsque l'époux était mort. Because we are members for the same church. Nous sommes les membres d'une même église. And we've been praying for God for miracle. On était en train de prier pour le miracle de Dieu. And I feel like through God, God used you guys to pray so that your mom can come here to America so that I can meet her. Et là, je sens comme si c'est vous qui étiez en train de prier afin que Dieu fasse de la sorte que votre mère vienne à l'Amérique. She said, "I need to thank God for everything." Elle a dit, elle doit remercier Dieu pour toutes choses. If you can't even thank God, just thank God to send you Jesus Christ to die for your sin. Ah, même si tu ne peux pas remercier Dieu pour quoi que ce soit, remercie Dieu pour avoir envoyé Jésus-Christ pour venir mourir pour tes péchés. Because today, God has Jesus for you and you can't even go to hell. Ah, aujourd'hui Dieu a mis Jésus à ta disposition afin que tu n'ailles pas en enfer. Because if you believe in him, parce que si tu crois en lui, he will save you. Il te sauvera. He will take you out of the bondage. Il va te faire sortir de l'esclavage. He will cleanse your life. Il va purifier ta vie. No man is not perfect. Il n'y a pas un homme qui est parfait. But only Jesus Christ is perfect. Mais il n'y a que Jésus Christ qui est parfait. So when you believe in Jesus Christ, lorsque tu crois en Jésus Christ, and you need to thank God to send His Son to die and bleed on the cross for your sin. Il faut remercier Dieu pour avoir envoyé son Fils pour venir mourir et saigner sur la croix pour tes péchés. Today I'm saved.
Aujourd'hui, je suis sauvé. Because through Jesus Christ, parce qu'à travers Jésus-Christ, I am thanking God for Jesus. Je remercie Dieu à cause de Jésus. To save my life. Qui est venu sauver ma vie. So today I know hell is a reality, but I know through Jesus Christ I am saved. Malgré que je sais que l'enfer est une réalité, mais à travers Jésus-Christ, je suis sauvé. What are you thanking for in your life? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu dans ta vie? Just have everything you have. Tu as tout ce que tu as. Possess everything you have. Tu possèdes tout ce que tu as. All the clothing, everything that you have in your house. Sur les habits, tout ce que tu as dans ta maison. That's what you are thanking for. C'est tout ce que tu. C'est ça la raison pour laquelle tu remercies Dieu. What is in your mind? Y a-t-il quelque chose dans tes pensées? For Jesus Christ. Pour Jésus-Christ. You know, today is not your day. Aujourd'hui n'est pas ton jour. I know the mission has finished. Je sais que la mission est finie. And Jesus said to his disciples, et Jésus a dit à ses disciples, now I'll send you, maintenant je vais vous envoyer and preach the gospel, et prêcher l'évangile in Samaria, in Judea, en Judée et en Samarie. Because now we are living in the last day. Parce que nous sommes en train de vivre dans les derniers jours. And we are thanking God, but today if you have Jesus in your life, on doit remercier Dieu si tu as Jésus dans ta vie aujourd'hui. I think if somebody is talking about homosexuality, si quelqu'un parle de l'homosexualité, you will say to yourself, tu vas te dire toi-même, that is something Jesus Christ hates. Ça, c'est quelque chose que Jésus-Christ déteste. Because he destroyed Sodom and Gomorrah. Parce que Sodome et Gomorrah étaient détruits. He give them a chance, but they want to dwell in that abomination. Il voulait leur donner une opportunité, mais ils ont choisi de demeurer dans Jesus cette abomination. Life, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, I think God is going to direct your path. Je pense que Dieu va diriger tes pas chaque jour. And you know where you are. Et tu connaîtras où tu es. That's what I'm thanking for God today in my life. C'est pour cela que je remercie Dieu pour ma vie aujourd'hui. That today I know the truth. Parce que je connais la vérité. And the truth has set me free. Et la vérité m'a libéré. And the truth is Jesus Christ. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Do you know the truth in your life? Est-ce que vous connaissez la vérité dans votre vie? You know only Jesus can save you? Est-ce que vous connaissez qu'il n'y a que Jésus qui peut vous sauver? The church cannot save you. L'église ne peut pas te sauver. The Father cannot save ton you. Père ne peut pas te sauver. Only Jesus can Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver ta vie. You have a lot of problems in your life. Parce que tu as beaucoup de problèmes dans sometimes ta vie. You couldn't even sleep. Souvent, tu ne peux même pas dormir. Overcome the problem. Parce que tu es tellement dépassé par le problème. Are you planning to give that problem into the hand of God today? Est-ce que tu planifies prendre ce problème et le mettre entre les mains de Dieu aujourd'hui? When the people came from the north with a big chore, took everything out of that lady's hands. Les gens sont venus de la famille de l'époux. Ils ont pris toutes les choses en main avec eux. What to do for those children? Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire avec ses enfants. And she's praying for God for miracles. Elle était en train de prier pour un miracle de la part de Dieu. You don't know God in your life. Mais si tu ne connais pas Dieu dans ta vie, you will never see a miracle in tu your ne verras life. Jamais le miracle dans ta vie. You will see some miracle in your life. Tu verras quelques miracles dans ta but vie. That is not coming from Jesus. Mais les miracles qui ne viendront pas de Jésus. What kind of miracle are you talking about? Pasteur, demande quel genre de miracle que tu parles. If you have something in your life, si tu as quelque chose dans ta vie, that you steal from someone, que tu as volé de quelqu'un d'autre, and you become wealthy, et tu es devenu riche, and you think that is a miracle from the Lord, est-ce que vous pensez que c'est un miracle de la part du Seigneur? If you reject your wife, si tu rejettes ta femme, and because you found somebody better than her, parce que tu as trouvé quelqu'un de plus mieux qu'elle, and you say to yourself, now I have peace in my life. Est-ce que tu peux dire que j'ai maintenant la paix dans ma vie? That is not a miracle. In your life. Ça, ce n'est pas le miracle dans ta vie. Because God is not intending for men to go to hell. Parce que Dieu n'a pas l'intention que l'homme aille en enfer. God wants the men to be free. Dieu veut que l'homme soit libre. Because if you want to seek in the miracle from God, parce que si tu veux chercher le miracle de la part de Dieu, you want to be in the hand of God. Si tu veux être dans la main de Dieu, walk with God every single day. Il faut marcher avec Dieu tous les jours. That day you can praise the name of God in your life. C'est à ce moment-là que tu peux glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Thinking in your life. Pourquoi tu es en train de remercier Dieu dans ta vie? God for every single thing he's doing in your life? Est-ce que tu es en train de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie? God for Jesus in your life? Est-ce que tu es en train de remercier Dieu pour Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu peux projeter la deuxième photo? That was the 10 years ago. Il a décédé il y a 10 ans. And then the men brothers. L'homme que vous voyez. We went together to the park to go evangelize. Oh, on était partis ensemble au parc pour faire l'évangélisation. And then he said to me, il m'a dit, one day,
Un jour, this country in America, ce pays, l'Amérique, we, if we don't go back to Jesus, si nous ne repartons pas à Jésus-Christ, le peuple sera détruit. And they, he told me, il m'a dit, that specific day, ce jour-là, he said, you can see the politics in America, tu peux voir la politique aux États-Unis. La politique est divisée. Some people are talking about homosexuality, il y a des gens qui parlent de l'homosexualité. Some people are against it. Il y a des gens qui sont contre. He told me, don't believe it. Il a dit, il ne faut pas croire à cela. The day will come, parce que le jour va venir, those Republicans, même les républicains, they are going to get together with the Democrats, ils se rassemblent avec les démocrates. Support the bill in this country, ils vont soutenir la loi dans ces pays. And to pass, because they think that today generation, pour passer cette loi, parce qu'ils pensent que la génération de that should be the best thing to do, and men and women to, and men and men to get together. Ah, ils vont dire que ça serait une bonne chose afin qu'un homme et un autre homme soient ensemble. Let's go take this picture together. Ils vont dire que nous allons voir pendant cette photo ensemble. That is 10 years ago. Il y a de cela 10 ans. And today we are living in those days. Et nous vivons aujourd'hui ces choses qu'il avait parlé. And he told me, il m'a dit, don't be like when you came from Africa. Tu es venu de l'Afrique. Don't be like those people in this country. Ne soyez pas comme les gens dans ces pays. You need something. Si tu as besoin de quelque chose, if you know that you cannot get that from anybody, si tu penses que tu ne peux pas trouver cela de la part de qui que ce soit, God and God will do it. Prie. Amen. Parce que Dieu va le faire. And then he told me, et il m'a dit, be in accordance with the word of God. Vis selon la parole de Dieu. And that day we took these pictures. Et le jour là qu'on a pris cette photo, that area, we have a dealership in that area. On avait le vendeur de véhicules à cet endroit-là. And then we went to evangelist, one of the guy who is a sell manager. Ah, on était en train d'aller évangéliser quelqu'un qui vendait les véhicules là. And that's a great testimony, because that man today. Ah, c'est un grand témoignage parce que cet homme-là aujourd'hui. The day we talked to him about Jesus. Le jour qu'on lui a parlé de Jésus-Christ. He removed his family out of his house. Il a fait sortir sa famille de sa maison. But the day he accepted Jesus Christ. Mais le jour qu'il a accepté Jésus. He ran and looking for his wife. Il a couru, il est allé chercher sa femme. He said, because I have messed up. Il a dit parce que j'avais commis une erreur. Now I'm thinking that God has brought me a light. Je remercie Dieu qui m'a amené la lumière. I can tell you that without Jesus Christ, je peux dire aujourd'hui sans Jésus Christ, ta vie est détruite. Without Jesus, sans Jésus, your life cannot go on track. Ta vie ne peut pas être sur le bon chemin. Congo, anyway, tu peux venir du Congo, du Togo, n'importe quel pays dans le monde. Can give you hope. C'est lui qui peut te donner l'espérance. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous projetez la troisième photo? You see these pictures? You see these pictures? Vous voyez cette photo? Now the next one. No, next one. Okay. You see that lady here? Vous voyez la dame à votre gauche. That's my wife's great grandma. Ça c'est la grand-mère de ma femme. That's last year. C'est ça, c'était l'année passée. She is 90 years old. Elle a 90 ans. And she lost her husband 10 years ago. Elle a perdu son époux d'année, c'est là 10 ans. And I have testimony here in this church. I told her she bought me a car. The car I'm driving right now, she's the one who bought me that car. J'ai un témoignage ici qu'elle m'avait acheté le véhicule que je conduis maintenant, c'est elle qui a acheté. So I said that testimony many times. If you don't know, that's the one. J'ai dit c'est. That's my wife mother. Ça c'est la femme. Ça c'est la mère. She's 90 years old. Elle a 90 ans. I was talking with her that what is your secret for to live into 90 years old? Ah, je posais les questions. Quel est le secret? Quels sont vos secrets pour vivre jusqu'à 90 ans? And I said, because you have been married for 55 years. J'ai dit, tu as été marié pendant 55 ans. And you lost your husband. Et tu as perdu ton époux. And now she just got remarried again last year. Elle s'est remariée encore l'année passée. She remarried last year. Elle s'est remariée l'année passée. She got remarried. I talked to her. She said, lorsqu'elle s'est remariée, je l'ai parlé, elle a dit, I need to thank God for the life that he's given me. Je dois remercier Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. And then she said, that's the secret. Elle a dit, ça c'est le secret. He said, listen really good. Et il écoute très bien. Because she told me, in this life, elle a dit, dans cette vie,
when you get into that age, lorsque tu arrives à cet âge, a lot of people are regretting a lot of things. Pour plusieurs personnes regrettent plusieurs choses. And she said, because as soon you get to, if God give you love. And you pass 70 years old, si Dieu te donne l'opportunité de passer 70 ans, 80 years old, tu arrives à 80, tu arrives à 90, I've been regretting a lot of things. Il y a beaucoup de gens qui regrettent beaucoup de choses. She said, I lost my husband. Elle a déjà perdu mon époux 10 years ago. Il a laissé la 10 ans. So I want to be single for the rest of my life. Je veux être célibataire pour le reste de ma vie. When I was praying, et lorsque j'étais en train de prier, and something in my spirit told me that you can be remarried. Quelque chose dans mon esprit m'a dit que tu peux te remarier. If you don't remarry, si when you're gonna get to 95 years old, you are going to regret it. Ah, si tu te remaries pas lorsque tu auras 95 ans, tu vas regretter cela. And she told me. Elle m'a dit. One night. Une nuit, she's praying and thanking God for the life God given to her. Elle était en train de prier et remercier Dieu pour la vie que Dieu lui avait donnée. And she said, elle a dit, she have a lot of friends. Elle a beaucoup de amis. Who died many years ago? Qui sont morts il y a beaucoup some d'années. Some of them definitely reached 70 years. Il y a ceux-là qui n'ont même pas atteint l'âge some de 70 ans. Some of them reached 65 years. Il y a ceux-là qui n'ont même pas atteint l'âge de 65 all ans. All her roommates for many years ago. Tous ses amis qu'elle partageait le chambre any, avec. Any one of them is not alive. Personne d'entre eux est vivant. God gave her a life into 90 years old. Mais Dieu l'avait donné la vie jusqu'à 90 she ans. She's going back to remarry again. Elle a dit elle va se remarier encore. To leave a testimony and legacy for his great children. Pour laisser un témoignage et legacy pour ceux qui vont venir après elle. Because she said God give you opportunity. Parce que Dieu te donne l'opportunité. She said I can walk. Et elle a dit je peux marcher. I can cook. Je peux préparer. I can drive. Je peux conduire. She can do everything. Elle peut faire toutes choses. Everything. Elle peut tout faire. We went there last year. Nous sommes allés là l'année she passée. She drove herself into the she lives in Denver. Colorado. Elle vit à Colorado. She drove into the mountain side. Elle est allée conduire même jusqu'aux montagnes. She live in the mountain. Parce qu'elle vit là où il y a beaucoup de montagnes. Elle est allée conduire même jusqu'aux montagnes. Years old. Elle a 90 ans. For the family reunion. Pour la réunion de la famille. Said, I can do everything if you have that strength. Elle dit j'ai la force, je peux faire toutes choses. Elle a dit les secrets. Every single day. Chaque jour. God, il faut se mettre à genoux et dire Dieu merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour avoir amené Jésus pour mourir pour moi. Merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu as pour moi. He said, if you don't do something that you should do, elle dit si tu ne fais pas quelque chose que tu dois faire, tu vas regretter cela pour le reste de ta vie. She said, now she didn't regret it. Elle a dit maintenant elle regrette. To go to the medical school. Elle avait l'opportunité d'aller à l'école de médecine when she was 21 years old. Lorsqu'elle avait 21 ans. But she said no because I have already another degree. I don't want to go to that. Elle avait refusé parce qu'elle avait déjà un autre diplôme et ne voulait pas aller là-bas. Elle a dit elle regrette cela aujourd'hui. She said to me, whatever God give you strength, elle a dit chaque fois que Dieu te donne la force, and you need to thank God for that strength. Tu dois remercier Dieu pour cette force. Go forward. Et va faire ce qu'il faut faire. Il faut le faire. If you don't do it, si tu ne le fais pas, because tomorrow is not promised. Parce que demain n'est pas promis. Because today, parce qu'aujourd'hui, last time when she, have 90 years anniversary, dernièrement, lorsqu'elle a célébré son 90e anniversaire, lorsqu'on est elle a acheté des billets. Elle a acheté des billets d'avion pour tous ses grands fils, ses grands enfants partout aux États-Unis. Everybody, she said, I want because today, she said, today God bless me. I have to do that so that maybe if I didn't reach 91 years old, I will never regret it. Elle a dit que je vais faire cela parce que si Dieu me permet de ne pas atteindre l'âge de 91 ans pour que je ne puisse pas regretter cela. And she said to me, if want to give something to someone, give it that to them. Elle dit, si tu veux donner quelque chose à une personne, donne la chose à la personne. Before the time will be over. Avant que le temps finisse. She told me that many years ago. Elle dit plusieurs années. She had opportunity to help a family. Elle avait l'opportunité d'avoir la famille. She did not help them. Elle n'avait pas la famille. Because
somebody else told her something about those people. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose sur ces gens. And she said, if he dies the point, on a dit que si la plupart, je ne vais pas le faire. And that ended up to a big crash accident to those family. Et il y avait cette famille a été dans un accident grave. If he, she did that time, si elle avait fait ce qu'elle devait faire à ce moment-là, that. Dieu peut prévenir cela. Because she need to help them to fix the car. Elle voulait les, elle devait les aider à réparer le véhicule. That's why every time that she can do something for someone. C'est pour cela chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose pour quelqu'un. Elle n'hésitait pas, elle le faisait toujours. So today is your time. Aujourd'hui c'est ton temps. Today is your day. Aujourd'hui c'est un jour. What are you doing for God? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour What Dieu? Are you thanking for God? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? Are you thanking every single day that God sent Jesus to you? Are you, est-ce que tu remercies Dieu chaque jour pour avoir pour t'avoir envoyé Jésus? This bread that we are breathing every single day. Le souffle de vie que nous respirons tous les jours. Are you thanking God for this? Est-ce que tu remercies Dieu pour cela? What are you doing for God for the rest of your Qu'est-ce life? Que tu es en train de faire pour Dieu pour le reste de ta vie? I have a message for you. J'ai le message pour vous. What are you thanking God for? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? What are you thanking God for today? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu And aujourd'hui? I'm thanking God Je remercie Dieu that today that my parents in Texas, que aujourd'hui mes parents Texas they can have a way for me to come to them. Ils peuvent avoir un moyen pour que je puisse aller vers eux. Because I'm not having a close into that point. Je ne suis même pas prêt à faire ce mouvement-là. Because that lady who is my mama today, she from northern Togo. Cette dame qui est maintenant ma mère aujourd'hui, elle est du nord de Togo. But when we come in together in the same church, lorsque nous sommes venus ensemble dans une même église, Jesus, we are one. À travers Jésus-Christ, nous Because sommes un. Jesus Christ, we are the same family. Parce qu'en Jésus-Christ, the nous sommes une famille. Christ is the same. Parce que le corps du Christ est le même. Because with God, we are one. Avec Dieu, nous sommes un. And now, Et maintenant, God has brought me into their life. Dieu m'a amené dans leur vie. And I will thank you, God, that when the day that I have to move to Texas. Je remercie Dieu que le jour que je dois aller à Texas. And then they say that you don't have to take anything. Ils ont dit que tu ne dois pas prendre quoi que ce soit. She told my wife, don't take anything, just pack your stuff. Elle a dit à ma femme, ne prends rien, mets seulement mes choses ensemble. Si je regarde maintenant toutes ces choses, I just need to thank God, je dois seulement remercier Dieu use my sister and my brother-in-law pour avoir utilisé ma soeur et mon beau-frère brought me to this country. Pour me faire venir dans ce pays. Hallelujah. Amen. Are you thanking God for what is amazing in your life? Est-ce que tu es en train de remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie? Right now we are sitting in air conditioning. Maintenant nous sommes assis dans une salle avec le climatiseur. Il y a certaines places, maintenant si vous ouvrez la porte pour rentrer dans leur chambre, the heat is over 100 degrees. La chaudière est vraiment Some people dangereuse. Are living in the desert. Il y a des gens qui vivent dans le désert. What are you thanking God for? Pourquoi tu es en train de remercier Dieu? May God bless you today. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Can you present this last pictures? Est-ce que vous pouvez projeter la dernière photo? And the one, the previous one. The previous one, yes. No. The one Shalom Abraham. Okay. The one Shalom Abraham. Just Shalom Abraham. Grandma and great grandma. Okay, this one, this picture. Cette photo. The day they took this picture. Le jour qu'on a pris cette photo. She's telling her that I want you to reach 90 years old. Elle est en train de dire que je veux aussi que tu puisses atteindre 90 ans. And then the great grandma asked her, "Are you sure you want to reach 90 years old?" La grand-mère a demandé, est-ce que tu veux vraiment atteindre 90 ans? And she said yes. Elle a dit oui. And then she asked her, and the grandma asked her. Okay, why are you planning to do when you reach 90 years old? La grand-mère a demandé qu'est-ce que tu es en train de planifier de faire lorsque tu arrives à l'âge de 90 ans. And you know what she responded? Vous savez ce qu'elle a dit? She said, I'm going to sing for the Lord. Elle a dit je vais chanter pour le Seigneur. C'est pour ça que nous avons pris cette photo. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais remercier l'Éternel pour Dr. Steve. Qui a été mon instructeur pendant plusieurs années. And we don't know what God is going to do later on.
On ne sait pas ce que Dieu va faire après. Parce que Dieu a plusieurs voies. Dieu a plusieurs choses. Nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Je remercie la communauté togolaise pour avoir venir ensemble dans le même cœur. Parce que l'amour que vous avez démontré aujourd'hui, c'est l'amour qui vient du cœur. Que l'Éternel bénisse tout et chacun de vous. Au nom de Jésus. La congrégation ici de la réconciliation, vous êtes en train de faire un excellent travail. Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Et Dieu l'a fait. Amen. Parce que le dernier jour, j'irai au ciel. And then the Bible said, et la Bible dit, the disciples went to do the same thing. Les disciples sont allés faire la même chose. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And I want another testimony I'm going to say. J'ai un autre témoignage que je vais générer. When I came to this country, lorsque je suis venu dans ce pays, after 3 months, après 3 mois, we are praying in my brother-in-law's house. On était en train de prier dans la maison de mon beau-frère. My sister Rebecca said something. Ma sœur Rebecca dit quelque chose. Remember today. Je ne sais pas si elle se souvient de ça aujourd'hui. She said that I feel that one day somebody gonna give you a car free in America. Elle dit, je sens comme si quelqu'un va te donner un véhicule gratuit en Amérique. And then she said, you remember that? Elle dit, tu te souviens de ça? And then she said also that I feel that God is going to use it to preach the gospel. Elle dit, je sens aussi que Dieu va te donner pour prêcher la bonne nouvelle. Free in America. Et Dieu va te donner un véhicule gratuit. My first car was a Pastor Paco giving me free car. Et mon premier véhicule, c'était Pasteur Paul qui m'a donné un véhicule gratuit. Et la deuxième voiture que j'ai conduite, c'est la grand-mère qui m'a donné. Je sais que Dieu avait un plan avant que nous puissions commencer à faire quelque chose d'autre. Dieu l'a utilisé pour dire quelque chose plusieurs années. The miracle and the vision and the plan he has. Dieu a accompli les miracles, la vision et les plans qu'il avait. Amen. Amen. One day we are driving with Dr. Steve. Un jour on conduisait avec Dr. Steve. And Dr. Judy is one of our professors in Bible College, and she have a meeting somewhere. Dr. Judy qui est une de nos professeurs à l'école de biblique de théologie. And we are driving that day. You have the old car, the blue one there. On était en train de conduire. Docteur, c'est ma vie de véhicule bleu. Yeah. And then we are praying. He said, and then you know what he told me? He said, Pastor Clement, I know that. Don't look back. I know God have a wife for you in America. And God told me that He have a wife for you not in Africa, but in America. Il a notre pasteur qui m'a dit que Dieu a une femme pour toi aux États-Unis, pas en Afrique, ici aux États-Unis. Si tu cherches une femme, elle est en Amérique. Ta femme est en Amérique. Elle n'est pas au Togo, elle n'est pas quelque part d'autre, elle est en Amérique. Elle m'a dit qu'elle est ici, elle est ici, elle est ici. Elle est ici, tu te souviens de ça? Elle m'a dit de cela. Et la première fois que j'allais visiter ma mère en Texas, elle était en train de prier et elle m'a dit la même chose. Elle a dit, Dieu a une femme pour toi en Amérique. Et je vois, Dieu a un plan pour ce que nous allons faire, c'est d'obéir. So today I'm standing here to thanking God for all things that has accomplished in my life. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. He is a great God. C'est un bon Dieu. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. You see them right here. Let's put our hands together for the Lord again. Pastor Clement, thank you. I'm not going to say anything. I'm just going to continue with the program because it's very special to me. He's very special to me, and I don't know how much I can say. If I start talking about him and how thankful I am for him, we will be here till tomorrow. But it's not my part to do that today. I'll let other people do that. Amen? Amen. Amen. At this time,
I know we have taken now more than 10 minutes, Pastor Clement. We took longer. But Papa Noré, I'm going to have you to stop taking pictures because I need you up here. Where is Mama? Where is Mama? I would like to have Papa Noré and Mama Julie up here, please. Papa Noré, you can come up with me. Somebody's going to get Mama Julie. You can come up with me. Hallelujah. We are thanking God today. Amen. Let's put our hands together for the Lord. Hallelujah. This couple right here is a blessed couple. They recently got the, if you're African, of course, you know how many steps we go through to get married, right? Hallelujah. You guys know what I'm talking about, right? We go through stages, right? This couple right here has completed two of the three stages. So let's put our hands together for them. We have the last one coming up and you will hear about it. So the reason why we brought them over here is so that because they're a couple in our church and we need God to be with them. Because you know the enemy does not like this. The enemy wants people to be separated, divided, and have worse. The enemy doesn't want the children of God to come together. So as they are together, we're going to stand up as a church. We're going to lift up our hands to them. We're going to pray for them. We're going to ask God to bless them, to keep them with all the plannings that they have coming up.